All your pace are belong to us. Causes trouble on my beat. Sweetie man coming.
I'm here to claim justice. What justice? I'm justice! Causes trouble on my beat. What? An institution for the criminally insane.
Salut tout le monde, c'est le Geek 19 et merde, j'ai laissé le son de mon téléphone à côté pour que j'ai un visuel sur le live. En espérant que ça passe. Attendez. En espérant que ça marche. Je laisse un peu sur le côté pour être sûr. Ok, donc ça marche. Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui on se fait un petit gameplay sur un jeu free to play. Donc free to play, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, en anglais ça veut dire à gratuit à jouer. Donc c'est un jeu gratuit, hein, qui s'appelle Crossout. Alors Crossout, le principe du jeu c'est que vous construisez des véhicules de combat littéralement. Et comment, merde, en plus j'ai lancé le live avec le véhicule que je voulais pas, mais bah, c'est pas grave. Construisez des véhicules tels que celui-ci. Donc au début vous avez un véhicule tout pourri qui est... Alors attendez que je le retrouve. Celui-là, donc au début vous commencez avec le jeu avec ce véhicule-là. Donc c'est un véhicule tout pourri au début, avec il y a juste un petit châssis, des petites roues toutes pourries, une cabine pas du tout protégée et deux petites armes à la con, hein. Ça c'est un véhicule à la con qu'on a au tout début du jeu. Et le but du jeu est tout simple, c'est vous avez donc votre véhicule de combat, vous allez faire des missions contre des IA ou contre d'autres joueurs. Et le but, bah, c'est de détruire les véhicules adverses. Alors pour détruire le véhicule adverse, il faut détruire la cabine, donc cette partie là sur mon véhicule. Comme vous pouvez le constater, là j'ai un clone, c'est parce que je suis en essai du véhicule, donc en fait l'essai du véhicule me permet de savoir si mon véhicule est résistant ou pas. Et également pouvoir le tester en niveau son armement. Donc vous commencez avec... Ah tiens, il est mort. Vous avez donc là le véhicule de base, donc il est pas très solide, hein, franchement il y a mieux, hein, faut pas se le cacher, il y a mieux. Donc vous devez commencer avec ça. Et après je vais vous montrer un truc également, à quoi sert le vérin de levage, une espèce de machin rouge que vous voyez à l'arrière. Si vous entendez du son là derrière moi, c'est parce que j'ai un autre gars avec moi qui est là, mais là il doit redémarrer son PC parce qu'il n'arrive pas à lancer le jeu. J'arrive, hein, t'inquiète. Voilà. Ouais, donc là, ouais, là je viens de me retourner comme ça avec mon véhicule, donc je peux plus avancer ni rien faire. Donc il suffit que j'appuie grâce au vérin de levage, il faut que je fais R et hop, mon véhicule est retourné. Si jamais j'avais pas de vérin de levage, il fallait que j'attende 30 secondes avant de pouvoir me relever. Donc voilà, donc ça c'est pour le véhicule de base, donc il est tout pourri, hein, voilà. Et après, une fois que vous aurez avancé, moi je suis level 16, une fois que vous aurez avancé dans le jeu, vous pouvez construire d'autres véhicules, tels que celui-là. Donc là c'est un véhicule que j'ai fait exprès pour pouvoir jouer avec mon pote qui est là. Qui est un véhicule qui est à peu près de son niveau. Hop. Qui est un peu plus performant, on va dire, un peu plus solide et un peu plus équipé en termes d'accessoires. Il est plus joli aussi, il y a des lumières dessus. Regardez, j'ai mis les lumières à l'avant, hop, ça fait clair. Ouais, ma vie. Voilà, et j'ai un pare-choc plutôt bourrin. Des armes qui font un peu de dégâts quand même. Le pare-choc fait des dégâts aussi, et puis je peux monter sur mon propre véhicule, hein. Voilà, top, tranquille. Ouais, c'est un peu plus de dégâts, franchement, que l'autre. C'est un peu plus bourrin. Bon, les armes, c'est des mitrailleuses, il y a de la dispersion dessus. Et bon, corps à corps, ça peut aller. Et là, vous voyez aussi en bas, au milieu, comment mes armes. Et plus je tire avec, plus elles chauffent, vous voyez. Donc du coup, après, une fois qu'elles sont chaudes, il faut que j'attende qu'elles refroidissent. Donc il y a quand même un système de gestion des armes comme ça. Donc j'ai rajouté dessus ce qu'on appelle un radiateur d'armes, qui se trouve genre le truc qui est à gauche là. Je me suis bouffé un mur. Le truc qui est à droite, pardon, là, ici, c'est un radiateur d'armes, là c'est le vérin de levage. Là j'ai une radio dessus pour pouvoir récupérer les données des radars des alliés, etc. Donc voilà, hop. Donc là vous avez un véhicule sur roue. Il y a différents types de véhicules. Vous avez vu au début du live un véhicule sur chenille, celui-là. Donc c'est pareil, c'est un véhicule qui est sur chenille, qui est également du niveau de mon pote. Hop. Donc il est un peu plus lent celui-là. Mais il a un avantage, c'est qu'il peut faire, contrairement à l'autre, il peut faire ça, quoi. Ça peut être plus facile parfois pour partir en fuyée, toujours quand t'as des grosses armes qui n'ont aucun angle limité de vue.
peut être plus pratique. Voilà, donc pour l'instant j'ai mis des mitrailleuses dessus parce que si je mets des armes plus grosses, on passe à un rang supérieur. Et du coup mon pote galère. Hop. Parce qu'en fait les IA ou les autres joueurs avec qui tu vas jouer, à qui on va jouer sur les les parties sont en fonction du PS du véhicule. On voit ici, ouais, il y a PS ici 2216. C'est-à-dire qu'on va avoir des véhicules en face de nous qui ont ce rang-là. J'ai d'autres véhicules tels que le 4x4 et le tank qui sont là, qui sont à 4517 et 6098, donc ils sont beaucoup plus élevés, puissants. Et ils sont un peu plus bourrins aussi, genre le 4x4 qui est là, il est un peu mieux armé. Vous pouvez le constater, il est un peu mieux armé, il est équipé d'un drone, toutes sortes de choses. Donc vous pouvez le constater, donc il est un peu plus rapide aussi. Hop. Il y a toujours de la déco, parce que moi j'aime bien mettre le forain d'un véhicule qui a l'air assez joli aussi, j'aime bien ça. Au détriment de la solidité par contre. Donc lui il est équipé de différents systèmes, donc de 4 mitrailleuses, contrairement aux autres véhicules en 3, il y a 4 mitrailleuses qui sont assez puissantes. Quand même, ouais, je gagne quelques dégâts. Hein. Je suis équipé également d'un drone qui va tirer automatiquement sur l'ennemi et qui va me suivre, donc il est actif pendant un certain temps, puis il est tout détruit et puis il faut attendre qu'il se charge. Donc voilà. Hop, oui, machin. Il attaque. Hop. Le but pour détruire un véhicule ennemi, il faut détruire sa cabine qui est là. Hein. Je viens de la buter là. La cabine du véhicule, faut la détruire. Pour pouvoir gagner, tuer quelqu'un. Et il est également équipé d'un système. Hop, bah mon drone vient s'auto-détruire. C'est bon. Et j'ai également un système de camouflage sur celui-là. Donc je suis invisible pendant un certain temps. C'est assez court. Mais dès que je subis des dégâts ou que je tire, je perds mon camouflage. Voilà. Mais là pour l'instant, à part le drone, je vous ai montré des armes qui n'ont pas un nombre d'utilisations limité. C'est-à-dire que le drone là, je peux le lancer que 5 fois. Mais les mitrailleuses, je peux tirer autant de fois que je veux. Et le camouflage, je peux le déclencher autant de fois que je veux. J'ai également un autre véhicule. Qui est celui-là, hop, qui lui est équipé d'armes avec un nombre de tirs limité. En fait, j'ai dessus un gros canon. J'ai également un système de zoom pour sniper. J'ai tiré trop haut. Alors, faire gaffe parce qu'il y a l'attraction qui fonctionne dessus. Vous voyez, hop, je tire là et ça touche la tourelle. Donc, vous voyez, il y a un système d'attraction de gravité. Donc, fais attention quand on tire. Boom, ouais, hop, je suis en train de descendre mon machin. J'ai également sur celui-là, donc là vous voyez en bas, au milieu là, vous voyez un truc avec une tourelle. Et quand je tire, je suis passé de 6 à 5. C'est-à-dire que là, il me reste 5 tirs possibles avec cette grosse tourelle qui est en haut là, qui est en train de tourner. J'ai également dessus deux lance-missiles téléguidés, enfin lance-missiles infrarouges. Si je les tire, ils vont automatiquement vers la cible. Donc j'en ai que 6 dessus, donc vous voyez ça c'est un tank qui peut être pas mal, qui fait pas mal de dégâts. Si on vise bien, il fait pas mal de dégâts. Mais le problème c'est qu'il a un nombre de tirs limité. Donc voilà. Ça c'est des différents trucs. Mais après une fois que j'ai fini toutes mes cartouches, je peux encore foncer dans le tas. Car j'ai un pare-choc à l'avant et les pare-chocs font des dégâts quand même. Hein, quand on rentre sur des gens, vous voyez, hop, j'ai fait 11 de dégâts rien qu'en lui rentrant dedans. Ouais, donc faire attention quand même, mais le pare-choc peut faire des dégâts. Voilà. Et donc j'ai toujours ce zoom qui peut être pratique. Par contre, faire attention parce que là, en fait, vous voyez, j'ai ma tourelle qui n'est pas aussi rapide que ma visée. Elle est quand même assez rapide, mais elle n'est pas aussi rapide. Hop, vous voyez, c'est l'espèce de truc qui est en diagonale. Hop, faut qu'elle suive quoi. Vous voyez, hop. Tac, vous voyez. Faut attendre qu'elle arrive bien pour être sûr. Parce que si je tire là, ça tire sur le côté, ça tire pas là où il y a mon viseur. Donc c'est des tanks comme ça, il y a toutes sortes de trucs et il y a plein de modèles différents dans ce jeu, c'est plutôt sympathique. Vous avez ici en exposition tous les types de modèles qu'on peut faire sur ce jeu véhicule, c'est des véhicules qu'ont fait d'autres joueurs. On peut les tester, on
peut les tester, genre par exemple celle-là. Et là, il y a une autre arme dessus. Celui-là, c'est un missile téléguidé. Alors, déjà, ok, je peux lancer. Avec là, on peut lancer des barils de carburant enflammés. Attendez, j'attends que ça charge. Hop, vous voyez, hop, je vise. Tac. Et là, vous voyez, ça crée du feu tout autour. Et le feu, vous voyez, font des dégâts. Ça fait des dégâts, le feu. Voilà. Je vais activer des IA. Voilà. Et là, je vais lancer le missile téléguidé. Donc là, c'est moi qui pilote le missile. Boum! Voilà. Vous voyez, ça, c'est d'autres missiles qui sont possibles d'utiliser. Ouais, donc là c'est pour ça. Et celui-là, c'est des roues spéciales, des roues lowrider. Vous voyez qu'on peut faire des sauts avec. Enfin bref, voilà. Il y a tout type de trucs dans ce jeu. Il y a plein de possibilités au niveau du jeu. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a par exemple là, on voit qu'il y a un mec qui a fait un hover. C'est un véhicule qui vole, carrément, qui flotte grâce à des réacteurs. Tac. On peut se déplacer, tourner comme ça sur lui-même, donc c'est un peu comme un tank. Et contrairement au tank, là on peut faire du déplacement latéral comme ça ou comme ça sans avoir besoin de tourner le véhicule. Hop. Par contre, le problème c'est qu'il ne se stabilise pas tout seul, faut le stabiliser nous-mêmes. Et il a des grappins ici. Et là, du coup, il suffit juste que je fasse shift. Et là, je tire mon tank. Wouhou! Voilà. Et viens là, et voilà. Donc ça peut être une façon de jouer qui peut être sympathique, vous voyez. Voilà. Donc c'est pour, ça peut être pas mal. Il y a plein de types de véhicules différents. Il y en a qui font des véhicules plus vraiment blindés. Moi j'aime bien faire des véhicules qui ont un certain style, un design. Mais après c'est à chacun ses envies de faire. Vous avez plein de types d'armes différentes. Là vous avez un autre moyen de locomotion qui sont des jambes. Donc c'est un peu comme Robocraft. Est-ce que je vais réussir à passer? Je ne pense pas. Ah si. Voilà. Ouais, donc là c'est des jambes. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a un lance-flamme. Et le lance-flamme il est en dessous, donc on peut vraiment entourer la zone de flamme. On peut vraiment faire le tour. Le lance-flamme est plutôt efficace. Hein, il fait quand même pas mal de dégâts. JB, j'ai un problème. Je peux pas te rejoindre. Pourquoi? Eh ben... Attends. Là, il y a carrément un truc à l'avant qui attaque corps à corps. Voilà. Et il est également équipé de booster. Je sais pas à quoi ça sert. Mais... c'est le cas, il sert à rien comme ça. Bref, tu peux pas me rejoindre, tu dis. Bah, je te vois pas connecté. Hein. Bah, je suis en train de me connecter à Steam, mais bon. Ça veut pas? Non. Attendez, on revient. Fais une petite. On va régler ce problème là, 2 secondes, je reviens. Tac.
problème, mais bon, là on a toujours pas réussi à résoudre le problème, donc je vais faire une petite game vite fait pour tout seul pour voir. Mais ça vient du côté de chez mon pote, donc on va régler ça après. On va régler ça, je vais vous montrer déjà ce que ça donne le jeu. Du coup, on va faire une petite patrouille. On va pas le faire avec ce véhicule là, on va le faire avec celui là. Ouais. J'ai pas accès à la batterie, c'est pas grave. Donc, là faut attendre un petit peu, mais comment vous en faites pas, ça va. Normalement c'est assez rapide généralement. Généralement. La preuve. Donc on va faire une petite game. Donc on est avec un mec. Oh, il y a un mec de 1723. Ok. Et il meuge un petit klaxon spécial. Écoutez ça. Ah non, tiens, c'est pas le bon. C'est pas le bon véhicule. Attends, bon, j'ai pas enregistré le klaxon. Autant pour moi. Je suis assez rapide comparé à mes camarades. Je passe par là, c'est normal. Aïe. Aouh. Oh. Ah putain, parce que l'autre il m'a bloqué. Alors là, en fait l'autre il m'a bloqué, donc du coup j'ai été buté. Donc là on est face à des bots, hein. Mais l'autre c'est parce que j'ai été bloqué par derrière, je peux perculer. Là on a une équipe pourrie. Il y a des armes lui ou pas? Alors lui il a une scie à l'avant pour pouvoir découper le châssis. Un mode de jeu qui peut être pas mal aussi, qui a été rajouté sur celui-là récemment, mais il n'est pas là tout le temps. C'est un mode qui revient de temps en temps au bout de certain nombre de jours. Et là actuellement on y a accès, donc je vais vous le montrer après. Oui, je m'amuse avec une perceuse. Oui, et alors. Tac, hop, on est reparti. Hop, je pose la suspect. Voilà. C'est parti. Oui, j'ai 4 sorties d'échappement. Enfin, j'ai 8 sorties d'échappement, ouais. Et alors? Lui il a une mini gueule. Alors le but du jeu ici c'est de soit buter tous les ennemis, soit de capturer leur base. Oui, mon drone peut être détruit en tout cas, je veux dire, mais mon drone peut être détruit. Après il a un temps de recharge pour réapparaître. On peut faire du drift avec ce genre de véhicule. Et boum! Et j'en ai eu un. J'ai reçu des tirs là. Un petit drift pour faire demi-tour. Ah, il est mort. J'entends des tirs là-bas. On a gagné. J'ai tourné en rond, c'est génial. Mais j'ai fait un kill au moins.
là maintenant on va changer de véhicule. On va prendre le tank qui est ici, donc c'est un rang plus élevé. Donc là c'est un autre gameplay. Ah oui, je veux vous montrer ça. Donc là vous voyez c'est un battle royale justement. Donc le battle royale, le principe c'est tout simple. Vous allez voir, on commence avec un véhicule tout pourri et on doit faire top 1. J'ai jamais réussi à faire top 1. Mais c'est fou comment maintenant le battle royale est à fond dans tous les jeux. Qu'est-ce que ça fout là ça? Tac, ça dégage. Donc hop. Alors un truc que je trouve bizarre, c'est que là ils marquent ce mode sera fermé dans 8h37 et là ils disent dans 1 jour et 8h je crois machin. 8h. Donc on commence avec un véhicule tout pourri comme ça, vous voyez. Je viens de voir d'autres gars à gauche là. J'en ai d'autres en face. Là, hop. Oh putain. Là on a une caisse. Oula, ça bug. On avait une caisse de réparation là. Donc là, faut falloir qu'on récupère ce qu'elle a là. Ok, on a une mitrailleuse, c'est plutôt pas mal. Donc il y a eu un premier kill déjà qui était juste à côté de moi, donc faut que je fasse gaffe parce que le gars qui, qui a dû le buter doit pas être très loin. Donc on peut avoir deux armes, un module, une carrosserie avant, une carrosserie arrière. Voilà, c'est ça ce qu'on peut avoir. Et moi je vais garder la foreuse à l'avant, sauf si je t'en trouve une meilleure. Ça fait masse de dégâts au corps à corps. Alors oui, donc il y a aussi un système de... Ouh! Il y a également une tornade qui fait le tour de la zone. Ah, ça c'est une carrosserie avant ou arrière? C'est une carrosserie arrière, nickel. Voilà ce dont j'avais besoin. On va reprendre des munitions. Là il y a la tempête qui commence. Là ça veut dire qu'on va avoir une tornade qui se ramène, qui se resserre. Comme je suppose comme n'importe quelle battle royale, je vais dire. Donc là il y a un conteneur à gauche, faut que je le prenne. J'essaie de le prendre. Ah puis il a été détruit, c'est bon. C'est-à-dire que tout son stuff a été libéré. Ah ça c'est bien ça. Donc là c'est un module caméléon, ce qui va me rendre invisible, ça c'est plutôt bon. Des munitions. Non. C'est un pompe, ça je veux pas de pompe. J'aime pas le pompe quoi. Ah par contre ça je veux bien. Un minigun, ça je veux. Ça va faire très mal ça. J'ai eu de la chance là, j'ai trouvé un minigun, c'est plutôt bon. Ok, c'est parfait. Donc voilà. Ah, je suis mort! Comment ça, je suis mort? Et le mec va me prendre la carrosserie arrière. Il a pris mon minigun, évidemment. Il prend même pas la carrosserie arrière. Donc, vous
Ouais, je suis pas très bon à ce genre de jeu, moi. Donc là, il se répare, oui. Il utilise un module jaune que j'avais récupéré tout à l'heure pour se réparer. Ouais, moi, je fais jamais rarement top 1 là-dessus. Hein. J'ai jamais fait top 1 pour l'instant. Oh putain! D'accord, alors lui, il a trouvé le bon truc là. Il a trouvé un lance-grenade, ça doit faire très mal. Tu m'entends? Oh ouais, je t'entends, ouais. Ben, j'arrive pas à régler le problème. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est bizarre quand même. Pourtant, hier, ça fonctionnait très bien et tout. Ouais, c'est clair. Bon, au moins, on a récupéré ton micro, ça veut te dire. Ouais. Oui, parce que tout à l'heure on voulait faire un live plus tôt, mais le problème c'est que on va dire que son micro s'est mis à bugger, mais à méchamment quoi. Hein? Très méchamment. Je l'entendais plus pendant une bonne heure et demie quoi. Oh punaise, il a un lance-missile le mec. Je suis plus sur le live. Hein. Ah ouais. Je suis en train de regarder dans mon email. Au cas où. Ouais. Alors lui il a des bonnes armes, vous voyez, il a une scie à l'avant et un lance-grenade et un lance-missile comme j'avais sur mon tank, même si elle a peut-être la chose. Et il gatling au-dessus, je crois. Ouais, ça doit être ça. Bref, il a de bonnes armes là, franchement il a fait un bon combo. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon nez, moi je suis un peu en rhumé en ce moment. Il reste 6 joueurs. On va arrêter là pour là. On va quitter le machin, on va retourner au garage et on va reprendre le tank. Hop, c'est parti. On va faire quoi? On va faire une. On va obtenir ça. Alors là, c'était une mission un peu spéciale puisqu'ils nous permettent d'obtenir en récompense. Par exemple, là, c'est une batterie. On peut obtenir également. Toutes sortes d'autres armes. Alors attendez, moi je vais boire un coup, j'ai soif. Donc le jeu est plutôt bien, donc il décide, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un free to play, donc c'est gratuit. Un capteur de zone. Pas mal. Donc je suis un peu lent étant donné que je suis un tank. Par contre, je bourre tout le monde. Oup, laissez-moi passer. Donc celui-là, il a le klaxon spécial. On me dit de réessayer plus tard. J'attends au moins 2 minutes et j'essaie après. Ouais, vas-y. Rouge, donc ils sont auto-guidés quoi. J'entends un bruit de missile. J'entends qu'on finisse de capturer la zone, c'est bon, c'est fait. Je vais voir là-bas, parce que je vois qu'il y a un ennemi, genre vers là, qui arrive vers nous. Feu! Ah putain! Il s'est caché derrière le. Quoi, le C capture? Oh putain! Ah, je le fais défoncer! Ah putain! Donc voilà, le problème du tank c'est qu'il est lent! Et en face ils ont des bons canons, hein, franchement. Bon là c'est fait tous détruire. Bon. Donc c'est pour ça. Oh, bah. On va rentrer dans le garage mais on va faire autre chose. Alors attendez. Vous voyez, donc là je vais vous expliquer. Donc là on peut obtenir un fusil à pompe de base. On peut obtenir tout ce qu'il y a en bas. Donc fusil à pompe, radiateur d'armes et réservoir à carburant. Donc du réservoir à carburant, je t'avais pas expliqué la dernière fois. Mais le réservoir à carburant, c'est quand tu fais des missions normales,
comment, si t'as un réservoir à carburant sur ton véhicule, ça va te permettre de gagner du carburant qui te permettront de partir en raid. Le raid, dans les, pour partir en raid, ça te consomme 20 unités de carburant. Tu vois. Ici, on obtient une cabine et des roues. Là, on obtient une mitrailleuse, un vérin de levage et un radar. Là, on obtient un gros canon, une radio et un booster. Là, on obtient une cabine et deux roues comme ce sont mes véhicules. Là, on obtient des câbles, là, on obtient des batteries, là, on n'obtient rien de spécial, à part du scrap. Ici, c'est des missions de raid, avec c'est des missions, donc c'est des versus bandits. Donc là, ça c'est faux. Donc là, je crois qu'il faut détruire un camion. Là, c'est. Là, faut récupérer des zones qui nous appartenaient et qui ont été capturées par des ennemis. Là, faut. Détruire un Léviathan. Là, c'est une zone comment libre où en fait les joueurs vont à cet endroit-là pour se balader. Il n'y a aucune mission. C'est un terrain vague, un terrain libre. On fait ce qu'on veut. Là, c'est faut attaquer, faut défendre les pompes à pétrole et détruire le Léviathan qui va se ramener. Là faut récupérer le carburant. Enfin bref. Il y a plusieurs types de missions. Donc là il y a le Battle Royale et là c'est un autre truc. Là c'est un chacun pour soi. Donc il arrive là également tout que pendant un certain temps. Donc voilà. Et voilà. Donc là on va faire une petite game avec le 4 des véhicules, j'ai 4 véhicules. Donc là pour l'instant j'ai que 4 véhicules parce qu'il faudrait que je peux avoir plus de place, mais pour ça il faut que j'ai un emplacement de stockage. Je peux le fabriquer si je veux, mais ça me coûte assez cher. Et sinon je peux toujours l'acheter, mais bon ça coûte des crédits. Ça coûte 257 crédits et les crédits c'est très difficile d'en avoir. En fait on obtient des pièces dans le jeu. Ouais, à chaque fois qu'on obtient des pièces, et après c'est avec les pièces on peut les vendre certaines. Si on voit ici dans prix d'achat, là on voit on peut vendre certaines pièces qui nous rapportent des crédits. Mais bon, après c'est vrai que c'est pas, ça va pas très vite, hein, franchement. Pour récupérer des sous, voilà. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc on va faire quelques petites games encore. On va se faire une petite game avec celui-là. Là vous aurez vu, vous pourrez voir après tous les véhicules. On va se faire un obtenir le canon, tiens. Hop là. C'est parti, oui c'est rapide, hein. Franchement. J'arrive dans 5 minutes. T'as réussi à te connecter? En fait, il y a une mise à jour qui n'est pas faite. Ah d'accord. C'est pour ça que t'avais pas te connecté. Ah. Ouais. Donc il a mis du temps pour te dire qu'il y a une mise à jour. Ouais. Pardon. Donc là c'est parce que d'autres joueurs, c'est pas évident. Donc là j'ai pas mon drone avec moi, je peux quand même filer un coup. J'ai plus qu'une arme d'ailleurs. Arrête de me foncer tout le temps toi, putain. Et voilà, donc là j'ai plus d'armes, c'est pas mal. Alors, il y a un truc quand vous avez plus d'armes, vous pouvez plus bouger, etc. Ou genre que chose que vous pouvez faire c'est gêner l'ennemi. Et bah vous avez une option suicide. Donc après vous pourrez plus jouer, hein. Mais voilà, par exemple ce que je vais faire c'est que là je peux encore circuler, donc je fonce vers la base ennemie pour la capturer. Et ah merde, c'est pas le capteur de base, je suis con moi. Ah bah tiens, on est face à des vrais joueurs parce qu'il y a un mec qui n'avait pas bougé de lui. Je vais aller capturer des zones pour voir du coup.
Hop, on a la zone B, je vais prendre la zone A du coup. C'est pas une capteur de base, c'est une capteur de zone. Ah putain, faut pas qu'ils aient de deux fois une de base. Donc, et je peux pas les aider pour le reste. On est plus que deux et moi j'ai plus d'armes. Donc ah oui, si vous entendez un tloum, c'est parce que j'ai un Google Home avec moi maintenant. Oui, j'ai pris le Google Home. Essayez donc de m'attraper les mecs. Je tourbillole, j'ai plus de roue arrière gauche. On va avoir le monopole, c'est bon. Stiopé. Détonate, non, pour vie. Je fais ce que je veux. J'ai pas envie de me suicider moi. Il y en a qui demandent de me suicider, mais j'ai pas envie, je fais ce que je veux. Gagné que 88 points avec celui-là. J'ai pas gagné des masses. On va retourner au garage. Je dois toujours pas connecter donc c'est pas bon. Hop, on va prendre le tank. On va aller en bataille et on va aller récupérer le canon. C'est parti. Putain. Live à côté, ça? Ouais. Est-ce que je m'entends ton putain que je t'ai fait en écho, c'est encore une fois. Putain. Tu t'entends en double? Bah ouais, mais c'est un peu chiant. Avec le petit décalage qu'il y a, c'est magique. T'as mis combien de téléphones là connectés pour le live? J'ai hâte, j'ai mon téléphone et wouhou! Alors attendez, wouhou! Qu'est-ce qu'ils foutent tous les alliés là? Ah, ils veulent les prendre à revers. Voilà! Ok, j'ai pris un méchant coup sur le côté. Heureusement que mes chenilles m'ont protégé. Là par contre fais gaffe parce que c'est une capture de zone. Ah bah buté mon klaxon et... Wow la vache. Voilà, c'est là pour leur empêcher de prendre la base. Wow la vache. Aïe. Les gars faut prendre la base là. Ah bah c'est bon, ça prend. D'ailleurs, si vous voulez des vidéos sur Dragon Ball Xenoverse 2 ou 1, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'ai les deux. Donc, Alors. Pardon. J'ai un peu de temps. Pourtant, je me suis réveillé, il était presque midi. Des gars à nous et en face il y en a plus que deux, plus qu'un je devrais dire, ouais. Plus qu'un. Putain, comment ça se fait qu'ils capturent la base de connexion tout seul et des croix? Alors lui il a une foreuse à l'avance qui va faire des dégâts au corps à corps. Oui, hop, ça fait masse dégâts au corps à corps les foreuses, hein. Faut savoir jouer avec. Donc on a gagné. Ça c'est bon. Donc là j'ai gagné 99 points parce que j'ai fait de la merde. Et j'ai obtenu une radio. Donc on n'obtient pas tous les machins, c'est aléatoire en fonction de ce qu'on a, je crois. Voilà, tac. On retourne en bataille.
En attendant qu'il se ramène le petit ami, là, le petit allié. Hein? Je suis toujours en train de faire la connexion avec Steam, mais ça prend v'là du temps. En attendant, je regarde ton live. Ouais, par contre, est-ce que tu pourrais baisser un peu le son de la vidéo? Je t'entends en écho, c'est super chiant. Aïe. Qui c'est qui m'a tiré mon aile, qui a détruit mon aileron arrière? Ah, te voilà. Faut qu'on aille aider notre allié. Ah, il est mort ou... Ah, il est mort. Ouais, ce que je viens de faire, c'est que je viens de buter son arme pour pas qu'il nous fasse de dégâts. Tirer vers moi, donc on peut en face ils ont pu commencer à capturer de leur base. C'est à nous ça? Vache! C'est bizarre ce son truc, c'est un tracteur qui a fait littéralement. Donc lui il est dans la base adverse, il y a un tout petit véhicule tout pourri! Ah bah il est pas passé. Si on gagne alors qu'on est en infériorité sur le numérique. Ouais, c'est pas toujours évident le jeu, hein. Franchement, il y a de la difficulté quand même. Et en face, il suffit qu'il y ait des bons joueurs et puis basta quoi. Ou t'es qu'une équipe de merde et puis basta. Donc, c'est pas un jeu facile, facile. Bon, attends, faut autre chose. On va faire. Fais une battle royale à toi tout seul si tu veux. J'en ai déjà fait. Ah. Je vais m'en refaire une si tu veux. Même si je suis pas très bon en Battle Royale, moi, donc La Battle Royale se passe toujours au même endroit par contre. Contrairement aux autres modes de jeu où ça varie un petit peu, là ça se passe toujours au même endroit. D'ailleurs, ce que je disais, c'est que ouais, ce mode sera fermé dans 8h et 14 minutes. Et là, ils disent time until season end, un jour, 8h. C'est bizarre quand même. Je piche pas trop ça. Et parti. Donc maintenant que je suis en fibre optique, je suis relié par la fibre optique, mes connexions sont généralement un peu plus longues. Enfin, plus courtes, pardon. Alors, abandonner le factory, je vais aller vers là. Bon. C'est parti. Il me casse les reins. Ça a mis du temps. Hein? Ça a mis du temps. Ouais. C'est parti. En route. Oh, t'as un truc là-bas. Je kiffe le véhicule. Ouais, c'est clair. C'est parti! Il y a un truc là. Un radar. Il y a un mec derrière moi, mais bon, comme on est pas armé, c'est pas. Ouh, des munitions. Il a laissé un truc là-bas, je rêve.
Ah si, ça c'est bien ça. Ça je le prends, je préfère ça. Je préfère ça. Bon, il a été rétréci parce qu'à la base il fait pas cette taille là, le machin. Il est beaucoup plus grand que ça. Pour l'instant, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas encore trouvé d'armes. J'ai rien dit. J'ai trouvé la meilleure arme que je puisse trouver. Là, il me manquerait plus qu'une Gatling et c'est bon, je suis bon. Là. Là, il y a un truc là-bas, c'est une caisse de réparation. Parfait. Mise à jour Steam. Donc là, faut que je fasse gaffe à mes munitions parce que j'en ai que 6. Mais... Oh, c'est quoi ça? Oh yeah! Parfait. Un pompe et un lance-missile. Bah, c'est bien. Oh mais attends, c'est même pas un pompe ça. C'est quoi ce truc qui est en train de se recharger là? Ça semble être un truc vachement badass. Ah ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. T'as un lance-missile? Oui, j'ai un lance-missile à l'avant. Il y a des ennemis maintenant. Je vais pouvoir arriver derrière eux tranquillement sans qu'on me voit littéralement. Donc maintenant faut que je joue bien. Il reste combien de joueurs là? La tempête s'est calmée. Oh putain, mais si je m'approchais de la tempête quoi. Pour l'instant, je trouve personne. Au final, ça m'arrange un peu. Je crois que j'ai perdu des munitions, mais c'est juste parce que. Bon, déjà pour en avoir plus si jamais j'en trouve. Et au moins, ça évite que les autres en trouvent aussi. J'ai gagné des munitions de lance-missile. C'est plutôt pas mal. De cloak, moi ça me. Ok, je me mets là-bas. T'es toujours là, JB? Ouais. Ok. Voilà! Feu! Non! Plus de munitions? Merde! Putain. On doit plus avoir de munitions chacun en fait. Ah! Oh merde, il m'a buté! Fait chier! Il m'a buté. Ah merde. Ah la vache. Ah oui, évidemment, il a pris le lance-missile. Il s'est attaqué. Bien fait pour ta gueule. Bien fait pour ta gueule. Ah, sympa là, là-bas. Attendez, j'ai fait une petite... Ça peut être joli à faire, ça peut être sympa.
Ouais, ça peut être sympa à faire ça comme véhicule. Là, parce que j'ai l'avant et l'arrière, donc c'est plus devant. Ah ouais, non, mais là j'ai été tranquille pendant un moment. Puis... Mais bon, j'ai réussi à aller bien loin quand même. Hein. Je sais pas combien de personnes il reste. Donc là la tempête s'intensifie pour aller jusqu'à cette zone là, donc là qui va être... Ouais, on voit la tempête là. Ah, c'est parti. Maintenant plus rien veut se lancer. Sérieux? Là, le cercle rétrécit. Je l'éteins et je le rallumerai après. Alors là, vous voyez, le cercle se rétrécit encore. Bientôt, ils vont être obligés de s'attaquer les uns les autres. Qui se met à l'abri, mais pas pour très longtemps, parce que la tempête fait rage. Il est pas dans le trou là. Hop, la tempête commence. Donc là, il a intérêt à avancer le type, parce que il est pas dans le cercle qui va être bon. Mets-toi dans le cercle. Ah, c'est plutôt une bonne stratégie de rester à l'abri quand même. Mec, on va voir s'il va faire top 1 lui. Il est parti pour peut-être. Oh la vache, la tempête qui m'a fait rage. Ah, il s'est attaqué. Ça y est. Oh la vache. Oh, il y en a qui a deux Gatling. Oh putain, je sais pas où il les a trouvés. À cause de la tempête parce qu'il s'est cassé la gueule. Je rêve. Oh la vache, mais la tempête comment elle est? Oh mais y'a vraiment pas de place. Oh putain, la tempête elle va tellement loin. Défaite, tu es à la 8ème position. Ouais bah d'accord. Ah ouais, non mais là hein. Alors je vais vous montrer comment construire un véhicule. Donc on va d'abord faire ça. Ne vous inquiétez pas, je l'ai enregistré celui-là. Donc c'est bon. Donc pour construire un véhicule, c'est tout simple. Hop, tac tac tac. On utilise le tab pour pouvoir commencer par d'abord construire un châssis. Donc on va d'abord faire un châssis comme ça. On va se faire quoi? Un tank ou un véhicule sur roue? Hein? On va faire un véhicule sur roue. Alors, je vais mettre deux morceaux de châssis comme ça. Tac, voilà. Ensuite, très important, une cabine, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. On va mettre une cabine comme ça. J'en ai déjà une. Voilà. Tac, on va mettre cette cabine là. Donc voilà, donc la petite cabine bien sympathique. Voilà. Hop. Même on va la reculer un petit peu. C'est plus joli comme ça. Voilà. Je vais centrer le véhicule. Paf, voilà. Avec la touche T. Ensuite, on va mettre le vérin de levage. Très important. Enfin, il n'est pas indispensable, hein, mais ça peut être pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus? Je vais mettre ça, alors je vais décaler le vérin de levage. Tac. Hop. Donc là ce que je viens de rajouter, le machin noir là, c'est un radiateur d'armes, donc ça réduit la chauffe des armes par 25%, donc c'est pratique.
peut les cumuler d'ailleurs. Votre véhicule est doté d'énergie. Vous voyez que là j'ai 10 points d'énergie possible. On voit sur l'énergie en bas à droite que j'ai dépensé 2 points d'énergie sur 10. Parce qu'en fait le radiateur d'armes consomme 1 d'énergie et le vérin de levage consomme 1. Donc voilà. Là je vais rajouter un hardcore moteur. Donc ce truc là va permettre d'accélérer la vitesse de mon véhicule. Ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Je suis un véhicule à la con, hein, il va pas être solide pour un rond. Hein. On va lui mettre des roues directrices à l'avant quand même. Genre là. Non, même pas les mettre là. À coup sûr, je vais les mettre là. Vous pouvez faire C pour copier le machin que vous regardez. Tac. On va mettre des roues non directrices à l'arrière. Genre. Ici. Hop. Une copie de la roue. Tac. Hop, j'ai modifié un peu le châssis. Je vais l'allonger un petit peu à l'arrière. Avec ça. Parfait. On va faire un petit rallonge à l'avant aussi. Avec un truc comme ça. Voilà. Non, il était un peu trop long peut-être là. Un instant, je vais aller mettre à côté de la wifi. On va peut-être mieux capter. Peut-être, je sais pas. Je te rappellerai après. Ouais, si tu veux. De toute façon, j'ai envie de montrer comment faire un véhicule. Donc, Ok. Donc, je vais avancer ça, genre ici. Ça, genre là. Vous designez comme vous voulez votre véhicule. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Tac, voilà. Ça me semble pas trop mal. Ensuite, on va y rajouter un groupe électrogène. Alors, le groupe électrogène va me permettre de rajouter. Hop, j'ai dégagé ça. Le groupe électrogène, lui, va me permettre de. Comment pouvoir avoir plus d'énergie. Vous voyez, je passe de 10 points à 13 points d'énergie. On peut en mettre qu'un seul par véhicule. Hein. Fais attention avec ça. Tac. Le Genesis. Le Genesis, me permet d'avoir 35 pour 25% de plus. Attends, on augmente le nombre de lancements de drones et tourelles de 25%. Ah, donc ça c'est pour les drones et les tourelles, donc c'est pas ce que je veux. Il me faudra un autre truc pour ça. Ça c'est pour les drones et les tourelles, donc ça dépendra si je mets ça. On va mettre un réservoir ici à l'arrière. Alors, réservoir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, déjà, faire attention avec le réservoir parce qu'il faut le protéger en fait. Donc, je vais plutôt inverser le moteur et le réservoir. Comme ça, parce qu'en fait le réservoir s'il est détruit, il fait une zone d'explosion un peu plus grande. Voilà. Donc là je suis à 14 pièces sur 55 et 2 sur 13 points d'énergie d'utiliser. C'est plutôt pas mal. On va y rajouter un cloak ici. Voilà. Je fais un véhicule tout pourri, hein. Je vous préviens, c'est pas... C'est juste pour vous montrer comment concevoir un véhicule, hein, c'est tout. Ouais, c'est un véhicule tout pourri, il est tout moche. Non, je vais pas le mettre ça comme ça. Bon, déjà, on va faire la décoration. Alors, la décoration. Tac. Non. Tac. Tac. Non, c'est pas ça que je veux. Hop, vous voulez tourner les pièces comme ça pour que ça fasse plus joli. Voilà, parfait. Je sais pas combien j'en ai des comme ça. Il m'en reste 4. Et j'ai 4 comme ça aussi, pas parfait. Je vais faire autrement. Je vais prendre ça. Ça va être juste les supports en fait. Pour les vrais. Tarbou, je vais mettre. Alors ça en fait, si je rajoute des trucs comme ça, c'est parce que ça permet de faire un peu de blindage. Ils sont pas très résistants, mais ça me permet de rajouter un semblant de blindage un petit peu. Donc on n'est pas obligé de les utiliser, mais moi je leur mets. Et puis en plus je trouve que ça fait un beau design après. On va rajouter ça à l'avant. Voilà, c'est magnifique.
un petit contrôle, un petit C pour que ça passe bien, un petit C machin, hop hop on tourne. Tac. Tac. Et tac. Voilà, parfait. Ça va nous faire un beau véhicule tout pourri. J'ai déjà 21 pièces sur 55 et j'ai toujours pas mis les armes. Alors, tac. Bon, les armes consomment un de d'emplacement, c'est plutôt ça. Ensuite, on va rajouter la déco des familles. Tac, voilà, ça c'est bien, ça c'est la bonne déco. Hop, tac, je dégage un peu le châssis qui est là pour y mettre un comme ça à la place. Parce que je veux mettre à l'avant ceci. Voilà, histoire que ça fasse joli. Ouais, c'est classe, ça j'aime. J'aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? Il faut pouvoir quand même rendre son véhicule plus ou moins solide. Donc moi j'ai des bonnes pièces pour l'instant qui sont assez costauds. Mais bon là comme la cabine va pas être vraiment protégée au dessus, pouvoir tirer sur la cabine ça va pas être pratique. Bon c'est pas grave hein, de toute façon c'est un véhicule de... Ah j'ai plus de pièces comme ça, merde. Il me faut des pièces similaires, moi j'en ai 5 des comme ça. Perfecto. Je remets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Tu fais tourner cette pièce là, tu la mets de l'autre côté. Donc là ça se fixe également au châssis. Donc ça protège aussi le châssis. C'est plutôt bien. Maintenant il faut juste que je trouve des pièces à mettre au-dessus. Réfléchis. Morceau de baril. Non. On va mettre ça. Tac. 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 Ouais, c'est la possibilité de fabrication de véhicules est infinie sur ce jeu. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ça qui est sympa quoi. Du moment qu'on a les pièces. Tac. Parfait. Donc la cabine n'est pas du tout protégée. On va essayer d'arranger ça. Après. Hop. On va mettre ça ici. Pour que ça fasse joli. Ça ne fait pas des masses. Tac. Ah moi oui, moi je chipote hein, sur le machin. Moi je passe pas par quatre chemins, moi je chipote hein. Voilà. Tac. J'en ai 6 dés comme ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Alors ça c'est un blindage qui est assez épais hein. Durabilité 8 points, quoique. Ah quoique j'ai rien dit. Moi j'ai rien dit, faudra faire un blindage quoi, quelconque. Ouais non en fait non, c'est même moins résistant que les autres, je croyais que c'était plus épais. Bon c'est pas grave. Tac. Durabilité 23 points, ouais, il y en a qui sont plus épais que d'autres hein. 20 points, ouais, sinon il y en a qui sont quand même plus épais. Ceux-là sont pas très épais, mais d'autres sont plus épais. Donc c'est bon aussi. Du coup voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter de sympathique? Ah. Te répondre comment ça? Ah merde, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Et what? Ah, attends 2 secondes, Romain.
deux secondes les gars. Hop, tac. Hop. Tac, bien sûr, je n'ai deux encore. Parfait. Excusez-moi les gens. Hop, voilà, j'ai fait un petit réglage de machin. Parfait. Ensuite, donc on en était où sur la construction de ce véhicule? Ah oui. Tac 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 tac, là il manque quelque chose. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour boucher le trou de la sécu? Re. Tac. Hop. En fait, j'ai pas entendu, j'entendais pas les sonneries de Discord, je sais pas pourquoi. J'ai pas entendu les sonneries de Discord. Hop, 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 hop. Il est pas mal le véhicule que t'as construit. Hein. Oh, pff, il est tout pourri, mec. Il sert à... Là, il va pas faire deux. Il va pas tenir deux minutes. Hein. Il est hyper. Il est pas du tout, du tout, du tout, du tout costaud. Machin, j'ai fait un véhicule, je suis en train de faire un véhicule à la con, mon gars, mais il est pourri. Non, ça va, il est bien rigolo, dis donc. Il est rigolo, c'est le but. Mais question solidité, il va se faire défragmenter en deux secondes. Je te le dis direct. Hein. Peut-être. On en sait rien. Le klaxon qui va bien ici. Il va être rapide, par contre, je pense. Même pas, c'est même pas si rapide que ça. Oui, moi je suis toujours sur. Comment dire. Sur le chargement. Hein. Ah ouais. Ouais, depuis tout à l'heure. J'attends. Ouais, youpi. Ouais, c'est un véhicule qui est tout pourri. Je pourrais même. Je vais essayer de faire un truc. Tu l'as sauvegardé celui-là? Non, je le sauvegarderai pas celui-là. D'accord. Celui-là, je le sauvegarderai pas, mec. Tu rêves. Tu rêves pour ce que je le sauvegarde. Tu rêves. Vu le pourquoi taux de, vu le taux de moisissure qu'il est. Mais non, mais il est beau. Non, mais il est moisi, mec. Il est complètement moisi, mec. C'est une brêle, mon gars. Ah, ok, tu rajoutes des roudres. Rien à foutre, je te le dis, moi. Tu fais un 6 roues. Ouais, rien à foutre, tu vois, je te le dis, mais ça a pourri, ça a vécu tout pourri. Tiens, tac, un petit 6 roues des familles, voilà, c'est parfait. Il me faut, tiens, hop. Un toit comme ça à l'arrière, ça sert à rien, c'est gratuit. C'est joli, mais bon, c'est de la merde. Il me faudrait encore des passages de roues, mais j'en ai plus, ça me c'est embêtant. Tac tac tac. Je crois que je vais jeter mon ordi par la fenêtre. Ça donne quoi là sur le. Il braque moins. Il me braque peut-être pas beaucoup, mais bon. Il est fun. Il est ridicule. Il est rigolo, c'est vrai, je reconnais. Alors ? Il est rigolo, mais bon, je vais pas l'utiliser au combat. Enfin, si je l'utilise en combat, il va pas faire long feu. Hein. Oui ! Oui ! Allô ? Oui, oui. Ah, je t'entends, t'es plus parlé. Bon, ensuite on va faire quoi dessus pour le rendre un peu plus ridicule. On va faire le véhicule le plus ridicule qui soit, tiens. Alors,
Attends, je vais parler à un petit bonhomme qui est dans la même chambre que moi. Non, tu joues pas à GTA. C'est pas à ton âge. Bah oui, voilà. Pas de GTA pour toi. Oh non, tiens. Donne-moi la manette. Là? Non. Oh. Je sais pas, cherche. Ma tête. Alors, tac. Ouais, ça fait un peu mieux. Bon, j'ai des roues qui dépassent parce que j'ai pas ce qu'il me faut, mais... Si, j'ai une idée. Ah non. Oh. Tu touches pas. Ta gueule. Vas-y. Ah, le ta gueule, il est magnifique. Benoît, non. Ah, le ta gueule, il était magnifique, il se veut pas respecter, le mec. Allez. Redis ça et tu dégages de la chambre. Allez, t'es bonne, t'étais. Non, y'a pas de GTA. Allez! Non! Le y'a pas de vas-y là, non! Bah t'as qu'à éteindre! Oui, allez, éteins! Non! Ouais, ça le fait. Hey, il est casse-couille! Ta gueule! Le ta gueule qui m'a sorti! Ouais, c'est clair! Il était magique! Ah, oh. Il était magique! Ta gueule, il était magique! Et Benoît, c'est la dernière fois que tu dis ça. Benoît. Eh, il est chiant. Attends, je me mute et je vais aller le voir. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, excusez-nous, bah, c'est son petit frère. Il a un handicap, donc faut l'accepter tel qu'il est. Hein. Sachant que moi aussi j'en ai un et vous regardez quand même mes vidéos, donc soyez indulgents. Hein, vous voyez bien qu'on peut avoir un handicap tout en étant sympa. Hein. Tac, et faire des blagues à la con aussi au passage. Hop. Sympa. Là, je commence à mieux en mieux aimer là. Pourquoi faut que je fasse gaffe parce que là j'ai bientôt plus pouvoir mettre de tourelles. Ça continue, je vais pas pouvoir mettre de tourelles dessus. Et j'ai même pas encore mis les décos donc. Ah oh ouais, ça c'est classe. C'est classe, mais je vais pas mettre ça. Parce qu'il faut que je mette ça derrière, c'est ma marque de fabrique, ça c'est le spoiler. Voilà. Le véhicule le véhicule pourri par excellence, c'est Bibi qui l'a fait. Ouais. On va lui mettre un gros pare-choc à l'avant. Ah, je peux pas, à cause du machin, c'est vrai, je suis con. Alors, tac, on va mettre un pare-choc comme ça à l'arrière. Ouais, le bon troll. Pare-choc qui va servir à rien. Tac, voilà. Parfait, ça c'est bon véhicule, ça bien pourri. Bon véhicule bien pourri, mais qui peut s'avérer être sympa quand même. Hein. Qui doit être sympa pilote, qui doit être sympa à jouer je pense. Là je pourrais mettre des choses ici aussi, mais d'abord on va commencer par mettre des armes. Alors des armes, on va y mettre quoi comme arme? Parce que je peux en mettre plein là. Ah non, c'est une pièce temporaire, sinon je vais pas le mettre. On va mettre un drone pour voir. Non, je peux pas le mettre. Ah ouais, ça passe pile poil. Oh, trop bien, ça passe, c'est dans la continuité du truc, c'est génial. C'est dans la continuité et ça passe, c'est parfait. Là, un gros canon. Il me reste encore 2 points pour y mettre une mitrailleuse. Genre celle-là. Après, je peux mettre toutes sortes de mitrailleuses si je veux, hein, mais... À moins que je fasse un véhicule full mitrailleuse. Ouais, je crois que je vais faire ça. Non, merde, ça faisait faire. En tout cas, j'ai plein de points à placer. Ah, là, ça va être un bon véhicule, je pense. Là, ça peut être un véhicule qui peut être sympa. Donc, il me reste 3 pièces à placer. Je peux mettre encore 3 pièces dessus.
pièces, dont les pièces de déco. Donc j'en aurais déjà deux, donc je peux en mettre encore une pièce. Si je calcule, je peux mettre encore une pièce. Est-ce que j'ai mis une radio? Je crois que oui. Ouais, j'ai mis une radio avec le klaxon derrière. Donc j'ai une pièce de déco déjà, je vais mettre encore une pièce dessus. Je vais mettre un radiateur d'armes juste ici. Ça va me permettre de refroidir encore plus mes armes. Voilà, parfait. Je pourrais encore mettre un truc derrière, mais je vais pas. Et maintenant, on va mettre la déco, genre les pots d'échappement verticaux. Vertigo, vérification terminée. Voilà. Et voilà, parfait. Donc là, mon véhicule est terminé. Hop. Donc vous voyez, c'est un petit véhicule à la con. Vous voyez, je l'ai fait assez rapidement quand même, tout pourri. Mais là, vous voyez, il a les couleurs d'origine. D'accord. Bon, on va faire un petit essai déjà. J'aurais pu mettre des roues directrices à l'arrière, mais moi je trouve que c'est suffisant. Une roue directrice à l'avant, c'est largement suffisant. Vous voyez, il fait des drifts. Vous voyez, hop. Ça, il a l'air assez costaud quand même. Sur le terrain. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'en France on voit pas des véhicules comme ça tellement il y a de législation, etc. C'est dommage. En Amérique on pourrait tellement en voir des véhicules comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas en voir en France des comme ça, c'est un méga classe moi, je trouve. Easy peasy, la mode squeezy, c'est parti. Parfait. Ça c'est bon ça. Les échappements c'est de la déco, hein. Y a pas vraiment besoin de ça. Hein. Donc, ouais, je peux allumer mes lumières à l'avant. Si je veux. Et quand JB, je dois arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui arrête pas de me faire chier là. Mmh. Et t'as aussi mon PC qui veut pas se lancer. Allô. Ouais, pas de dommage. Bah, dès que tu pourras essayer de relancer le jeu, tu me diras. Bon, moi je vais faire quelques vidéos, continuer un peu la vidéo de mon côté. Bon, c'est pas grave. Au pire. Hein. Sinon, s'il veut bien se lancer, ouais. Ce soir on pourra jouer peut-être. Si ouais, voilà, le véhicule à la con. Bon. Regarde-moi la gueule du véhicule. Je te laisse. Regarde-moi la gueule du véhicule. Au revoir. Ouais. Là, quand ils ont pas de cible, les missiles, on voit qu'ils partent vers l'infini et au-delà. Oui. Drift, ah, franchement, finalement, pour un véhicule ridicule, il est plutôt sympathique. Hein. Vous voyez, comme quoi, même quand on fait des choses ridicules avec quelques obligations qu'on se donne, et ben on peut rendre un véhicule, peut donner à un véhicule ridicule un aspect plutôt classe au détriment de la solidité. Bon, là, à la rigueur, la solidité ça peut aller parce qu'en fait, la plupart des points d'accès vers la cabine sont protégés, donc ça peut être pas mal. Oui. Bon, au début, vous pourrez pas faire un véhicule comme ça parce que vous aurez un nombre limité de pièces. Mais vous voyez, on t'a patiné les roues avant. Salut, salut. Je suis en live là, du coup. Hein. Ah, d'accord. Je suis en live. D'accord, sur, c'est quoi sur Crossout. Salut les petits. Salut JB. Vous venez de rater Romain qui a dû se barrer parce que son PC buggé à mort, il arrive même pas à lancer le jeu, tu sais.
Du coup, alors, on va faire un petit peu de déco maintenant. Pouf, voilà. Déco rapide, en appuyant sur une touche, ça peint tout le véhicule. Ensuite, on va faire quelques petites touches de peinture par-ci par-là, genre du noir là. Tac. Pour donner un peu de profondeur aux jantes. Hop. On va mettre un peu de rouge. Genre aussi, je pourrais mettre un peu de rouge. Ah, attendez une minute. Ouais, non, c'est pas un beau rouge. C'est pas un beau rouge. Un bleu comme ça, peut-être. Ah, le bleu métallisé, il est pas trop mal. Non, c'est un bleu moche, ça. En marron. Non. Tout noir. Ah, tout noir à la rigueur. Ouais, j'ai une idée. On va faire tout noir. Et on va lui mettre quelques stickers. Voilà, comme ça. Puis un autre stickers de l'autre côté, genre au même endroit, vers là. Tac. Et un stickers comme ça ici. Essayer de le centrer quand même un peu. Voilà, parfait. Et bien si on allait laisser ce véhicule. Hein ? Ce véhicule tout petit, tout ridicule. Il est... Putain, il est quand même rang 4000. Il est quand même de rang 4000. Mais il est tout pourri, genre des armes de merde dessus. J'ai fait un véhicule tout pourri de rang 4000, quoi. Attends, si je suis rang 4000, je vais quand même modifier quelques armes, quand même. Hein. Ah, je peux pas les tirer avec, c'est mort, faut que je les mette ailleurs. Faut que je mette ailleurs. À moins que je recule ça. Non mais c'est pas bon parce qu'ils ne sont pas alignés. Ah, ça fait... ça fait éteint ça. Ça va être hyper dangereux parce que si je perds mes pare-chocs avant, je vais perdre mes tourelles. Je reviens. Allons faire un essai de ce véhicule. Coup de peinture, j'allais l'oublier. Ouais, on peut peindre chaque pièce indépendamment. Ah bah salut Twitch. Non, YouTube. Oui, YouTube. Si tu veux me rejoindre sur Crossout, hein. Aïe. Alors, wow. Donc, je suis quand même en 10 avec cette merde. On va aller prendre un... Obtenez le canon. Allez, c'est parti. On voulait tester un véhicule que je viens de bidouiller à la va-vite là, qui est tout pourri. T'imagines pas à quel point. Hein. Honnêtement, je vais me faire défragmenter trop du cul là. Ouais. Ouais. Après, est-ce que ça vous tente un petit comment?
Il s'appelle comment Romain sur Minecraft, tu sais? De quoi? Son pseudo Romain sur Minecraft. Je sais pas. A tous les coups, je crois que c'est le même pseudo que sur Discord. Il faut que je sache parce que. Bah, il... Tu mets une web liste. Ah oui. Oui, salut. Alors, viens voir ce qu'il donne ce véhicule. Putain la vache. Feu! Olé! Oh, ce que je viens de faire! Boum! Ah, j'ai perdu une. Oh là là, oula, 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 bah j'ai pris toute direction moi. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Je peux plus avancer, je peux plus reculer, je peux plus rien faire, je vais dans le cul et je meurs. Zergor. Ouais, Andy. Je t'envoie le dossier. Ouais. Tu me l'envoies sur Discord ou... Alors sur Discord ça ne marche pas, c'est limité à 50 MO. Ah oui, c'est... On se fait Minecraft après? Je sais pas. Non, moi non. Bah là, non, parce qu'on est en train de... Il va s'occuper du serveur, là. Je lui passe tout le contenu du serveur. Ah ouais, d'accord. Alors, plus... En fait, parce que là, en fait, sur Space, on a des problèmes, on peut plus se connecter au serveur. Donc là, ça va être Zorgor qui va récupérer le serveur. Donc. Oui, bah oui, mais pour ça, faut que je lui donne. Mais c'est ça. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Tati Mover, Zorgor. Bah oui, je me connecte sur le serveur en Team Mover. Bah vas-y, connecte-toi sur Team Mover. Pourquoi je suis pas connecté, c'est rien. Je suis dessus, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Tu me passes ton idée. Ton mot de passe. Donnez-les-vous par privé sur Discord pour pas qu'ils l'entendent, parce que si jamais ils font ça les mecs. Hein? Comme vous êtes sur le live. Non, franchement on s'en fout. Ah mais ouais. Bon, on a gagné malgré mon véhicule tout pourri. J'ai quand même gagné. Non, ça va en prendre un fou, je préfère l'écrire, c'est pour ça. Que je suis en live moi d'ailleurs. Je sais même pas. J'ai commencé il était 15h, tout dans le genre. Moi ça fait à peu près 2h. Parce que 2h, 1h30, 2h. Ouais. Bon moi je pense que je vais arrêter là finalement. Je vais peut-être arrêter là. Bon. À la base je voulais faire ça avec Romain mais bon, comment il apparaissait se connecter. On verra ça peut-être plus tard. Peut-être garder ce véhicule à la con pour voir, je sais pas. Le problème c'est que si je peux pas le garder là, c'est à dire que je supprime mes autres véhicules. Bon, je verrai ça plus tard. Bon, alors. Tu veux que je te mette ça sur ton bureau? Allez, ouf. Moi je vais vous dire à plus les gens. Ouais. Salut. C'est un SSD.